Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Arc en compagnie de Miss Dark Angel. Salut à tous. Alors, au dernier épisode, nous avons. Oh là, il est gros, il est beau. On est un peu serré. C'est un peu serré. Mais voilà, nous avons la forge industrielle. Oups. Enfin, effectivement. Ah oui, c'est un mythique. Donc, vous voyez que, tout simplement, ça va beaucoup, beaucoup plus vite avec la forge industrielle. Et je suis blindé parce que malheureusement, j'ai dû vider toutes les caisses qu'il y avait sur le côté pour pouvoir la poser. Donc, il y a beaucoup de choses. Il est où le Rasmussen? Ah, je m'en faut une. Alors, Miss, qu'avons-nous prévu de faire? On va aller faire un petit tour au biome neige. Enfin, à côté du biome neige, là. On a tamé les Argentavis. Parce que je suis sûr qu'on a laissé des dinos là-bas. Voilà, avis, donc Miss Dark Angel est persuadée que nous avons laissé des dinos au biome neige. Donc vous voyez comme c'est magnifique avec la forge industrielle. Ça sera beaucoup, beaucoup plus rapide. Elle suffit à elle-même. Je mets deux métal, ça change pas grand chose, mais c'est pas grave. Dedans? Ouais. La forge? Okay. Alors, en théorie, on devrait faire pour soit le labo de chimie qui nous permettrait de remplacer tout bonnement. Les mortiers pilons. Ouais. Ou l'on fait la cuisinière industrielle qui nous permettrait donc de faire plus rapidement les plats, notamment les croquettes. On est où d'ailleurs mon machin? Ah oui! Non, si. Je sais plus. Celui-là? Ou celui-là? De quoi? Qu'il faut pour faire la croquette pour le. L'ankylo? Celui-là ou celui-là? Je crois que c'est la normale. Tabla. Oui. Viande cuite séchée. Oui. Alors, viande cuite séchée, puis mon truc. Là. J'avais déjà mis. Des fibres, ok. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je sais plus. Attendez, prends ton téléphone. Lequel? Hein? Bah, lequel? Lequel? Celui qui a Dododex. Lequel? C'est quand même mieux. Lequel téléphone? Voyons. Il est où? Non. L'aurais-tu effacé? Non, ça va. Tu as de la chance. Alors. J'ai de la chance, mais le monsieur est en train de rechercher. J'ai l'impression que je l'ai pas appris. C'est quoi? En kilo? Pourquoi non, je suis pas sûr, va te dire où là. Ah oui. Mais non, mais. Oui, en fait, j'ai pas appris grand chose. Hein. Ah, un jugé. Ah, d'accord. Bizarre. Ah. Voilà.
autre. On va mettre The Island. Voilà, on recommence. Voilà. Alors, Regular Kibble. Regular Kibble. Regular Kibble. Un œuf de... C'est quoi qu'on a déjà en œuf? Je sais plus. Argentavis, non? Ou Carbonis? Non plus. Ah bah alors là... Ah si, petite Carbonis. Faut que je regarde. Alors, les œufs, ils sont ici. Alors, œuf de... C'est quoi ça? Carbonis. Eh ben, ça tombe bien. Hop, j'en ai besoin. Attends, j'ai un souci, là. Cookette meat jerky. Maïs, patate, fibre, de l'eau. De l'eau, j'ai rangé là, un truc. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi il met tout? Elle est là. Ah, alors, patate. Non. Allez. Mm-hmm. Mais cours, madame, là. Ah, bah, dis non. Patate. Merci. Voilà. C'est mieux. Pomme de terre. Et maïs. Tu me diras quand tu pourras ne plus bouger, en fait. Ah bah attends, parce qu'il faut que je prépare vite les machins. Mm-hmm. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Fibre, la cookette mid, elle est là-bas. C'est bizarre que je l'aie pas. Et l'œuf. Allez, hop, on y va. Vite. On va faire ça. Bon, je pourrais qu'on fasse qu'un. Voilà. Par exemple, on pourrait déjà faire le grain industriel. L'avantage du grain industriel, c'est que là, on dit au revoir... au feu de camp de base, parce que pareil que pour la forge, ça fait beaucoup plus rapidement. Si je pouvais arrêter de bouger, ça serait bien. Moi? Ouais. Alors. Ça. Oh là, c'est horrible. Ça. Et ça. Non, faut que je sorte, j'allume et je rentre. Ouais, c'est un des soucis. Mais bon. C'est un des soucis, justement, de... Et voilà, croquette faite. Après, faut que je regarde quel autre objet. Listro, Mouchop. Ça marche pas, Mouchop, maintenant? Non. Est-ce que Carbonis, j'ai des os ou pas? Terranodon. Oh, mais c'était avant qu'il fallait regarder. Parazor. J'ai encore reculé le pop des ressources à côté des structures. On verra bien si ça fait quelque chose. Dodo.
Un œuf d'Argentavis aussi à faire éclore. Mon shop. Bon. J'ai rien d'autre en œuf. Bon. Voilà. Croquette prête. Tu me dis quand on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Je t'y attends depuis un moment déjà. Ben voyons. Ah ouais. Alors, ma mienne est où, ma mienne? Là. Ah, t'as pris un point déjà. C'est bon? C'est bon. T'as de la viande dans ton piaf? Oui. Moi aussi. C'est parti. Alors, nous allons vérifier les dires. Oh! Regarde au-dessus! Ouais, je viens de voir, ouais. C'est quoi ça? Quetzal. Quetzal. Bonjour, mon ami! Oh, c'est la première fois qu'on te voit, eh. Ouais. Ah oui, c'est vrai, en plus. Hein. C'est la première fois. On l'avait vu une fois dans une de nos parties. Au-dessus de la montagne, là, juste à côté. Ouais. Mais, putain, il est bas. Ouais, il est bas, ouais. Il vole vraiment bas, je trouve. Bon, t'éloigne pas de trop, mon ami. T'éloigne pas de trop. Reste dans les parages. Ouais, forcément, tu vas au-dessus de la Redwood. Foiré. Ah oui, forcément. Sinon, c'est pas marrant, vous voyez. Ouais. Non, ouais, reste dans le coin. T'as raison. Ça m'arrange. Bon, ça m'arrange pas vraiment en vrai, mais... Bah, je vois pas comment ça le tamer. Ça m'arrange quand même. Hein? Je vois pas comment le tamer, en fait. Eh ben, en fait, on va avoir deux possibilités. Possibilité A... On tame un scorpion. Ouais. On tame un scorpion et on le met en agressif. On le prend dans nos argentavis et on va lui piquer les fesses à lui. Ouais. Pour le faire s'endormir et machin. Juste espérer qu'il ne tombe pas dans l'eau. Ouais, c'est vrai, s'il tombe dans l'eau, pardon, c'est foutu. Et sinon. Une autre possibilité, c'est de tamer un tapajera. Ouais. Et que le deuxième joueur, puisqu'on peut monter à deux sur un tapajera, que le deuxième joueur, tout simplement, lui tire derrière et puis tire. Tire avec des flèches narco. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité. C'est que l'on... Que... On grabe... Donc, ça veut dire qu'on prenne dans les pattes des argentavis qui soient assez haut level. Ouais. Et que l'on... Comment dire ? Et que celui qui est dans les serres, tout simplement, lui tire pareil avec des fléchettes tranquillisantes. Donc à cela, il faudra regarder le niveau du quetz qu'on ne voit déjà plus. Oh bah non. Forcément, il est ailleurs, le petit con. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est extrêmement rare, surtout quand on voit les parties d'autres joueurs, que ce soit sur PS4 ou pas, où eux, ils arrivent à en avoir. Alors par bug ou je ne sais quoi. Mais 4-5 Quetzal qui volent dans le coin là. Ouais. On n'a jamais vu nous aussi, je crois. Si ? Non. Non. Ouais, non, c'est pas ici. Non, non, bah c'est la première fois qu'on le voit voler dans le coin là où on est. Ouais. Et sinon, on l'a vu une fois au-dessus de la montagne. Enfin, de la montagne. Pas de la montagne, mais au-dessus du chemin. Où l'on. Pour aller à la montagne. Non, tu sais, le... Ah, je dis la montagne, mais non, c'est les bois, en fait. Les bois au-dessus de... Quand on fait le chemin pour aller là où on va, pour les castors. Ah,
Ah, d'accord. D'ailleurs, c'était en allant chercher un castor qu'on l'avait croisé comme ça. Mais bon, on l'a croisé, on l'a plus jamais revu. Ouais, non, c'est vrai. On l'a croisé vraiment une fois. C'est ça. Tu t'arrêtes. Je regarde ce qu'il y a en bas. D'accord. Raptor. Oui, bon sang. C'est forcé, ça, Raptor. Raptor, et puis un... Alors, si c'est pas un Raptor, c'est un Dilo. Et un Moch... Non, pas un Moshop. Ouais, un... Je vois un... Je sais pas quoi. Comment ça s'appelle, déjà, ça Je sais pas ce que c'est. Général. Moshop. Un Moshop. Bah, j'ai une fois... J'ai pas dit Moshop. Je sais plus. Non, Dilo, t'as dit. Non, je dis soit c'est un Raptor, soit c'est un Dilo. Ça me trouve le fion quand même. Alors, à savoir, une fois qu'on aura fait les 3 ou 4 boss de The Island, je n'arrive plus à me rappeler combien il y a de boss, sachez que nos personnages ne mourront pas. Oh, joli. Sachez que nos personnages ne mourront pas. Ils seront importés pour la suite de l'aventure, mais je ne sais pas encore laquelle. Donc, comme vous avez pu comprendre, nous allons au biome... à côté du biome neige, on a une petite base là-bas. Miss Dark est persuadée qu'on a laissé des animaux. Donc, à mon avis, il doit y rester des cadavres. Si on a des animaux là-bas. Mm. Parce que... honnêtement... ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été. C'est vrai. Donc, s'il y en a, ils doivent pas être en bon état. Mais c'est pareil, ce qui est bizarre, c'est que d'une partie à l'autre, t'as pas tout à fait les mêmes animaux, quoi. Ouais. Je veux dire, sur une partie qu'on avait fait sur la partie de Miss, sur le compte à Miss Dark Angel, elle avait eu une... Ah, la petite bébête, là. Ouais, une loutre. Mm. Une espèce de loutre, et alors que nous, on en a jamais eu. Qu'il est beau, le pépette. Il se bat avec je sais pas quoi. Ah bah, tu te rappelles sur ta partie? Ah ouais. Je sais pas, avec... Il essaie de bouffer, je sais pas une quoi. Tortue. Une tortue, d'accord. C'est la baston. Ok. Ok. C'est qui se bastonne ou quoi? Mais...
quel barbare. Miam miam. Mais pourquoi quel barbare? Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Non mais attends, pour l'instant on n'a pas encore fait des... On n'a pas encore fait nos fermes. Là, d'accord, on pourra dire quel barbare. Là, pour l'instant... Puis bah non, parce que du coup j'ai besoin de viande pourrie, donc... Ah bon? Pourquoi? Ah bah... Si j'ai pas un ankylo mais que j'ai un scorpion... Ah oui. Voilà, hein. C'est sûr. Dire ce qu'il est, hein. D'ailleurs, par la suite, il va sûrement falloir aller tamer des castors, des castéroïdes, un couple, pour qu'ils fassent des bébés, pour tuer les bébés, pour avoir de la fourrure. Et comme ça, on se fait nos habits d'hiver, et avec les habits d'hiver, nous allons aller à dans le biome neige. Aller chercher nos petits pingouins qui est recu. Je peux c'est pingouin. C'est pas les pingouins, je sais bien, mais bon. C'est qui est recu, qui est curu, qui est recu. Bah, tu t'es arrêté où en fait? Il avait une petite faim. Ça y est, il a rempli sa faim. C'est bon. Il ne l'a plus. On l'avait pris celui du tout. Oui. Je m'en rappelle plus. Tiens, il est ouvert. Alors, il y a un autre truc qu'on voudrait vous montrer, mais ça risque d'être un petit peu plus dur. Parce que la bébête, elle est pas facile à capturer. Elle n'est pas facile à... Elle veut pas se laisser facilement endormir sans tomber dans l'eau. C'est... Putain, il y a masse de poissons, là. C'est la petite bébête qui vole, là. Hein? La bébête qui vole. Oui, là, la petite bébête qui vole, là, derrière. Ah les... Ah oui. Les machins... Chernis, là, je sais pas quoi. Ouais, les machins qui volent, là. Qui vous bouffent vos trucs dans vos sacs. Ouais, Il y a un petit truc qu'on a découvert avec eux qui était assez sympa. Même voire très sympa. Ah, tu voles bas toi. Regarde s'il y a des bêtes en même temps. Quelques bébêtes. Ouais, déjà je vois un carnot. Tout face à toi, à droite. Tout face à moi, à droite, je vois pas de carnot. Ouais. Bah, ouvre bien les yeux. Vous le voyez vous? Parce que moi je le vois pas. Hein. Excusez-moi, mais... Après, je suis peut-être mieux. Ah si. Bah oui, mais si je tombe derrière les cailloux aussi, je sais pas de le voir, forcément. Ah bonjour, monsieur ou madame. Je sais pas qui t'es, mais bon. Non, on doit encore sûrement avoir un parasaur sur l'île. Non, il n'y en a pas. Ah. Si. Si. Ah oui. Il est bugué le machin. Tu l'as eu, ouais. Bon, qu'y a-t-il de méchant ou pas méchant là? Gentil, je le sauve.
Ah bon ? Moi qui suis barbare, comme tu dis. Il retombe pas dans l'eau. Il est retombé dans l'eau, mais bon, on peut s'en aller. À moins qu'il est bête et qu'il retombe vraiment au milieu de l'eau, quoi. Ah oui, effectivement, nous avons deux raptors. Voilà. Et voilà, qui c'est qui avait gagné ? C'est moi. Ils sont toujours en vie. Je savais bien qu'on avait laissé deux pépettes. Oh, bah c'est pas bien, ça. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. Ah ouais. Femelle, mâle. Putain, en plus, c'est un couple. Et il y a encore de la viande. Oh, bah ça va. Tiens, t'as plein de viande pourrie dedans. Si tu veux. Bon. Bon. Alors. Non. De quoi non. Bah pourquoi? Non, elle est où la porte déjà ici? Là, sur le côté, là, okay. Ici. On avait laissé les ouverts. Oh, tout le monde aurait pu venir nous voler. Oui. Il y a quoi là-dedans? Oh, mais il y a plein de trucs aussi là-dedans. Plein de viande, plein de... Une forge, un établi. Un belzé, ouais. Tu viens? Oui, j'arrive. C'est bien celui-là, oui, c'est bien. Angela. Ta 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 ta. À défaut d'un kilo, on prendra des scorpions. À défaut de scorpions, on prendra. On sait pas. Quelque chose. Non, on verra bien. Je sais pas quoi, mais. Il y a des argentes, déjà. Ah bah oui, mais celui-ci, oui. Et là, je viens pas pour des argentes. Donc... Non. Il y a des semi-lots. Donc non, ou des yens, je sais pas. Je sais pas. Alors, voyons voir. Argentavis. C'est quoi là-bas qui se passe? Il y a des scorpions. Bastonne. Ah ouais, smilodon, scorpion. Un scorpion. Femelle en plus. Femelle, bah ouais, mais niveau 15. Smilodon, ils sont. 30. Ah, c'est non, mais encore les smilodons, c'est bol à table, donc ouais, c'est faisable. Ça va. Oh, le scorpion est mort. Mince. Il n'y a plus de scorpion. Après, comme ça, tu en as voir. Oui. D'autres. Bien sûr. C'est pas ici qu'il y avait des allosaures. Non. Si, si, mais. Ils ont disparu. Ouais, je crois pourquoi. Alors, ils aiment bien aller. Tu peux monter sur ton machin, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je veux que tu montes sur ton machin assez rapidement. Ah, attends, j'enlève ça. En espérant qu'il n'y ait pas de copains. Ah, si, si. Il y a beaucoup de copains. Ah, si, si, il y a. Il y a Carnot qui s'attaque à. Il y a Carnot, il y a. Il y a je sais pas quoi. Si, si, c'est des. Raptors. Ah oui, ouais. Bah, allez manger le compte de vous. Putain, vous me faites chier. Oula. Oui, c'est normal. Je vois plus rien, chef. Attends, oui, bah oui. Forcément, tu vois plus rien. Je vais me coûter. Ah, je vois mieux. Ah, t'es là. Oui. Et puis souvent, le fait de passer par là et puis de... Ah, il y a des cantrosaures qui ont popé, parce que j'y étais pas tout à l'heure. Il y a 1, 2, 3, 4 argentavis. Punaise. Il y a des cantrosaures qui ont popé. Non, ça fait chier pour eux. Puis les smilodons, été tués. Ils ont été tués. Ils ont été tués ou ils ont été dépopés? Ah non, je crois qu'ils ont été tués les. Bah, je sais pas, il y a des Kentro à la place. Je sais pas. Bon. Il y a un faisceau dans l'eau. Non, mais ça arrive souvent. Mmh.
Ah. Bah, de speeder, toi, beaucoup de speed. Là-bas, il y a quelque chose, là. C'est quoi, ce zigoui, là-bas, en bas, là, à gauche? Ouais, ça, c'est quoi, ça? Un smido? Non. Ouais. Ah oui? Mm-hmm. Ah. C'est intéressant. C'est... Faut comprendre... C'est pas un carnot, là-bas? Si? Bah, si, c'est un carnot. Non, c'est un allosaure. C'est l'allosaure qui était là, qui est parti par là-bas. Quand on a essayé de le tirer dessus. La sale bête. Ouais, par contre, le smilodon, c'est intéressant, parce qu'il est, il est bien en récolte de kératine. Il récolte bien la kératine, le smilodon. Je fais le tour, j'attends. Poser. Je sais pas, il est. Il bizarre est... ça. De quoi? De quoi c'est bizarre? Tac 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 tac. Ah bon. Bon. Bon quoi? C'est bizarre. Et j'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque? De la pierre. Ah ah. Ah, t'as pas de... J'ai pas de bola. T'as pas de bola? Ouais. Oh, merde. C'est étonnant. Ouais, y a pas de... Y a pas de... Comment? Non, de... Bon, de... À la base. Merde. Le pot à la base. Enfin, la mini-base, là, il y en a forcément. Non, mais des pots, j'en ai même sur moi. Oui, moi aussi, j'en ai. Et étant donné que j'ai... Bah oui, puisqu'on a tué des bestiaux, on en a même dans l'Argentavis. Ah, mais non, c'est quoi qui te manque? De la pierre? C'est ça? Ah ouais. Effectivement, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant que t'aies pas de bola tout court. Ouais, généralement j'en ai toujours une dizaine sur moi. Ouais. Et là j'en ai pas. Et j'ai troqué mes bolas contre je sais pas quoi. Contre le pistolet, je pense. Un peut-être. Bon. Il est loin ou il est pas loin? Non, t'amuses pas. Ah non, il est trop loin. Il y a des méduses en plus. Ah oui. Non. Mais on était au bord, ouais, mais non, trop loin. Je me rappelle au départ, tout au départ, qu'on connaissait pas les méduses, machin, là. On s'y est frotté une fois. Ouais. Ah, c'est surtout elles qui s'y sont frottées, mais... Oui, surtout moi. Bon, je vais mettre mon zigoui là-haut, moi, par contre. Ah bon? Bah oui. On va y aller à pattes alors. Bah oui. Tu veux y aller comment? Voilà. Bah, toc. Je sais pas, je me serais approché avec... T'oublies pas de prendre de la viande? Hein? Oui, mais... J'ai que... C'est lequel? Celui-là. Tu fais des trucs bizarres des fois. Ah. T'as encore pas assez de pierre? Si, mais c'est pas ça, c'est que. Je vais prendre faire 10 bolas et. Fais chier. Ça sera assez. Ok. On y va, Pat, alors? Bah oui. Bon, on y va, Pat. Ouais, bah reste là. On va jouer à Thierry Lafonde. En espérant que c'est pas lui qui nous fasse tirer la fonde. Après, n'oublie pas qu'on n'est pas en... Là, on est en cuir, hein, on n'est pas en armure, hein. Oui, je sais. Ouais. Oui, je sais, c'est pour ça que tu passes en première ligne. Ouais. Non, mais t'arrives mieux à viser que les bonas. Moi, je rate tout le temps, ça passe toujours à côté. Des fois. Bon, il est où? Tu es.
Ouais, c'est pour ça que je vais refaire un petit tour avec éventuellement moi. On dit pas qu'il a des pop. Ah, il est... Non, c'est quoi? Ah, c'est carré, c'est le machin là-bas. Non, moi, c'est plus ça qui me fait peur. On est où? Derrière toi! Le dos. T'as de la viande sur toi? Mais non, je t'ai dit d'en prendre! Putain. Va falloir que tu viennes. Ok, j'arrive. J'ai entendu grogner, puis tout le monde quoi. Ouais, c'est... moi je l'ai entendu. Moi je l'ai entendu. Je voyais pas. Je dis, mais allez où? Tu prends ta bébête vite fait. Allez. Là-bas, toi, hein. Pas bouger. Attends, sale bête, tu vas voir. Dans pas longtemps. De quoi? Qui, sale bête? Machin là-bas, là. Ah ouais? L'allosaure. Ouais, ça c'est... Vraiment... T'inquiète. Tu vas voir dans ta gueule. Quand je vais avoir fait le fusil d'assaut et puis le sniper. Tu vas voir ta petite tête d'amour. Comment elle va sauter. Regarde aux alentours, des fois qu'il n'y aurait pas d'autres. On sait jamais. Ouais, mais il est pas fou en vie mon Argentavis en plus. Ah non? Ah non, il a 500 et quelques. Ah c'est tout? Ouais. Ah moi il y a 412, c'est pas mieux. Ouais t'as vu hein, ils sont pas foufou. Ouais hein. Non, enfin je monte un petit peu ça. Ah on vous dit ça parce que c'est sûr que nous dans nos parties on les monte toujours à 1000. Enfin tout à 1000 donc. Tu restes là-bas toi. Pas ouais. Bouger. Ouais, mais un Argentavis, ça me dérange moins encore. J'y vais. Ouais, il s'en va, c'est bon. Un argent, j'arrive encore à le maîtriser, mais... Mais à l'osaure, c'est autre chose. Ouais, à l'osaure, ça va être un petit peu plus compliqué.
Non, tu te dépêches, toi, là. Ah, de toute façon, l'allosaure, il vient. C'est mort, on peut dire au revoir au, au machin. Mm. Je vais pas m'amuser à faire. Ah, merci. Bah voilà. C'est bien, super. Allez. Hop. Viens. Tu fais pas chier, tu te coinces pas dans les arbres. Tu suis, hein. Voilà. Alors, le smilodon. Pourquoi le smilodon? Le smilodon est quand même très bien, entre guillemets. Pour, enfin, c'est le best pour la kératine. Mmh. Alors maintenant, à ce jour, il nous reste un souci. De quoi? Non, elle veut qu'on soit là. Il va pas dedans. Mais viens là, toi, tête de nœud là. Oh. Non, tu veux pas. Voilà, c'est moi qui suis maintenant. Maintenant, pas bouger. Voilà. Oh, ça va. Oh là là. Bon, bah, là le problème, c'est que on va pouvoir en porter que deux. Ouais. Donc, soit on prend les deux raptors, soit on prend le smil. Bah, raptor, c'est femelle et mâle. Vous saurez cela la prochaine fois. Il m'énerve, quoi. Moi, j'adore faire ça. J'adore. Je crois qu'à la base, c'est des femelles qu'on a, je crois. Raptor. On a des, ben, on a des raptors à la base. Oui. On a un raptor tech, oui, ça, je oui, sais. On a des raptors aussi. On a des raptors. Oui, mais il me semble que c'est que des femelles qu'on a. On n'a pas de mâles. On n'a pas de mâles, là. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin du smilodon tout de suite? On a quoi qui fait de la kératine à la base? On n'a rien. On n'a rien, étant donné qu'on n'a pas de tortue mâle. Donc, on peut pas faire des bébés. Et on n'a pas de tricée, donc on peut pas faire des bébés non plus. Et. Ouais, c'était vraiment de l'ankylo qu'il aurait fallu. Ouais, bah ouais, mais là, il n'y en avait pas. Il aurait fallu de l'ankylo. Il y avait un scorpion, mais il a été tué. Et puis là, personnellement, 5 argentavis, plus 2 smilodons, contre nous, on n'aurait pas fait le poids. Hein. C'est même pas la peine. Bon, si. Les argentavis, tu peux facilement les avoir. Hein. Tu sais, ça tourne dans le ciel, tu restes dans le ciel, ça t'évite de machin. Puis quand t'en butes un et que tu le bouffes, ça te... t'as un boost de vie. Donc c'est jouable après. Hein. Ouais. Ensuite pour les smilodons, bah c'est bol à table. Bon, à part que j'avais pas de bol là, mais c'est ça, c'est en fait c'est le problème, c'est que déjà vous avez vu la dernière vidéo, dans les dernières vidéos qu'on a tourné, c'est que il y a des différences d'une partie à une autre. On place nos choses d'une façon différente, on fait des trucs différents, donc c'est pas voilà, je veux dire on apprend continuellement sur le jeu, bah oui, donc forcément voilà, nous on prétend pas être des seigneurs et maîtres sur le jeu. Déjà on n'utilise pas les cheat codes de ouf pour avoir les trucs de ouf, non. Ou à la rigueur, c'est on va accélérer le temps par les trucs du comment dire, par les réglages du serveur. Je veux dire, oui, on va faire au lieu de prendre une pierre, on en prend 5. Quand on va ramasser des coffres, ça sera un petit peu boosté. Les œufs, ils vont éclore plus vite. Des trucs comme ça, mais pas se donner des items et compagnie, quoi. Non. À la rigueur, si on se donne des items, les items qu'on se donne, ça va être les emotes pour déconner, pour délirer un petit peu, mais pas, enfin voilà, on a du mal à se donner
je sais pas moi, une carabine de ouf ou des machins comme ça. C'est pas notre objectif. Nous, on aime bien créer la base, on aime bien aller tamer, faire notre petite ferme, entre guillemets, notre petite ferme à dino. Et puis voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. Ne mets pas un like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et c'est une récompense pour la chaîne. N'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien Tipeee. Hein, je sais que je me répète hein, à chaque vidéo maintenant. Mais ben, rien que le fait de regarder la petite pub sur Tipeee nous aide grandement. Et ben, nous permettent soit d'acheter des DLC, soit d'acheter de l'équipement. Donc c'est ce qui va permettre en fait de varier les vidéos et augmenter la qualité des vidéos ben, de ce fait. Miss Dark, le mot de la fin. N'oubliez pas un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour voir les vidéos qui sortent en ligne. Pourquoi tu rigoles? Pète-lui. Voilà, allez, salut. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine, bon jeu à toi!